Et bonjour à tous les amis. Moi aujourd'hui, je peux faire des vidéos plus longues que 30 secondes. Je peux faire des vidéos autant que je veux. Le temps que je veux. Moi aujourd'hui, je vais vous montrer ma ville dans Minecraft. Ma ville s'appelle King City. Dans King City, j'ai une tour de diamant. Très haute. Si on rajoute une ou deux étages, je pense que ça va faire le maximum de blocs. Avec des balises qui font rapidité et l'autre, je ne me rappelle plus de son nom. Et aussi, ici, on a une grande maison d'émeraude. Ça peut vous donner des idées pour des bâtiments que vous pouvez faire comme ici. J'ai pas encore trouvé le nom, mais lapis-lazuli. Fête blanche et quartz taillé avec un grand pont. Ici, j'ai un musée. Il y a des choses quand même impressionnantes quand j'ai fait un bonhomme sourire avec des faces d'Ender Dragon et une dalle. Ici, un bonhomme de neige pas de face, on l'a capturé. Et une grosse structure de diamant. Ici, c'est une maquette d'un grand barrage avec un géant tableau, un gigantesque tableau. Et ici, j'ai un spawner de blaze. J'ai mis de la lumière pour pas qu'il y en apparaisse plein. Et pour le reste, il y a quand même beaucoup de choses. C'est grand, King City. Environ des millions de blocs placés. Ça, je l'ai depuis 3-4 ans. Et ici, c'est une grande statue de cuivre. Je l'ai toujours appelé TNT McCloud, puis je l'ai appelé de même TNT McCloud. Et on peut grimper dedans, dans la grande statue de TNT McCloud. La la la, je crains, tata. C'est super grand, c'est une statue en cuivre. À chaque jour, je rajoute du verre pour que ça fasse comme du vrai cuivre. Mais bon, regardez, ici, je suis dans sa tête, ses yeux. Donc, ceci, c'est une grande statue que ça peut vous inspirer en plusieurs affaires. Et ici, j'ai fait un aéroport, ici, avec deux grands tours. Avec un géant manoir. Ici. J'ai essayé de faire un géant spa, mais et ce fut un échec. J'ai failli mettre de la lave. Ici, c'est une petite maison à côté d'une géante maison. Ici, c'est une petite librairie, une ferme. Et ici, on a un petit parc avec une fontaine. Ici, c'est la mine de diamants. Ça pourrait vous donner plusieurs idées. Une mine toute en blocs de diamants. Et la même chose pour un autre, c'est tout en or. Je vais vous la montrer. Elle est ici. En or. On peut entrer dedans par le même sens. Et c'est beaucoup plus grand. Tout en blocs d'or. Et ici, ça commence à être en lapis-lazuli. Ouais. Et je sais pas pourquoi il y a un cadre de fleurs. Ouais. Parce que dans un pack de ressources, ce cadre-là, c'est un canal, un égout. Donc, ensuite, j'ai un dépanneur barré. Ah, et aussi, j'ai mis des perroquets. Je ferais mieux de pas trop les tuer parce qu'il y en a plus beaucoup à King City. Donc, c'est pour ça que j'en fous partout. Aussi, j'ai une gare. Et ici, c'est un casino. Ici, voyons, bas, un casino. En bas, c'est rouge, puis en haut, c'est bleu. Tout bleu. Ici, c'est les becs sucrés.
avec un cinéma et un métro. Et maintenant, je vais faire un grand tour de King City par le métro. Donc ici, je voulais mettre des blocs, ben, je voulais mettre je me rappelle plus comment ça s'appelle, mais en tout cas, c'est d'emballage là. Je voulais mettre ça, plus la vitre, je voulais mettre les deux, fait que là, j'ai mis des balises. Et ici, on va faire un grand tour de King City maintenant. Je vous le dis, là, c'est gigantesque. C'est ici, c'est le magasin de portail. Il y a des portails. Bienvenue à King City, bien sûr. Ici, c'est un bateau de pirates avec un centre d'achat. On fait un grand tour de King City. Ici, c'est une prison. Deux tours d'or. Golden Tower, c'est ça. Ici, on a une petite statue que est quand même de, je sais pas. Ici, on a Diamond Tower avec la tour que je vous ai parlé tantôt. Et ici, on a l'observatoire de King City, le grand musée. Ici, c'est un BMR tout en bois. Ouais. Et ici, c'est Chichen Itza, une grande pyramide au Mexique. J'en ai fait une. Ici, c'est l'aéroport. Ici, c'est le grand manoir avec un magasin de bain et une librairie. Avec des maisons. Des maisons, 200 000 $ pour la grande. Ici, on a un petit, une petite maisonnette pour pêcher. Et deux grandes tours bleues. Ça peut vous inspirer, genre, pour... si vous aimez les deux tours grandes bleues, vous pouvez le faire. Vous pouvez en faire, ça me dérange pas. Si vous copiez un building, ça me dérange pas. C'est... Et... ça fait 3 ans que j'ai cette ville-là. Et vous allez trouver ça nono, mais à dehors de la ville, c'est très loin de la ville, c'est un orphelinat. Avec la grande statue de cuivre. Oh oh, et comment ça peut voir? Bon, je sais qu'il y a du monde qui aime pas ça, là. Bon. Day. Oh my god. Bon, laisse faire. Voilà, c'est maintenant le jour. Ta-da! On passe sur le grand pont. Ici, c'est dans la montagne, c'est le mont King. Vu que c'est King City, c'est le mont King. Ici, on passe d'un grand tunnel, des acheteurs de chevaux, je sais pas, mais des animaleries. Puis ici, on arrête dans le métro. Ben, dans la gare, c'est pas un métro, mais bien la gare. On arrête. Puis ensuite, si on veut, on peut repartir par la gare. Avec mon train qui fait plus de bruit. On repasse là. Et ensuite... ça s'en va au-dessus de l'église. Ça repasse ici. Et ensuite, ça s'en va dans ce tunnel-là. Et voilà. On a terminé notre tournée autour de King City. Donc, je vous le répète, si vous voulez vous inspirer d'un de mes buildings, vous avez qu'à le faire. Ou même, vous pouvez présenter votre ville avec mes buildings dedans. Ça ne me dérange vraiment pas. Il n'y a rien là. Donc, j'espère que vous allez construire des beaux buildings et que vous allez construire une gigantesque ville à des millions de blocs. Donc, merci d'avoir écouté cette vidéo.